Web TV Show. Web TV Show. Web TV Show. TV Show. Web TV Show. Web TV Show de retour avec deux nouvelles équipes. Donc du coup, je vais vous laisser vous présenter. On va faire comme de tout à l'heure, commencer par ma droite et finir par ma gauche. Vas-y, on t'écoute. Bonjour, moi je suis Esteban et je représente Espace Jeune de Conche. D'accord, et tu as quel âge ? J'ai 13 ans. Et tu es en quelle classe ? Je suis en 5e. Voilà. Rapide, clair et net. Rapide, ça, c'est efficace. Beau. C'est clair. Ensuite. Moi je m'appelle Loan, je suis en 5e et je suis d'Espace Jeune de Conche. Ok, contre du coup. Inaya. Quel âge ? Quelle classe ? 4e. Quel espace jeune ? L'Agora, Saint-Michel. Ok, et. Eve, 12 ans, 5e. Saint-Michel. Oui, Saint-Michel. Ok, alors là, on a deux interjeunes différents. On a Conche à votre gauche et à ma droite, et on a Saint-Michel à ma gauche et à votre droite. Donc je répète les consignes. 5, voire 6 des questions de culture générale, de catégorie CM2 ou adulte. La première équipe ayant 6 points remporte la partie. Est-ce que vous êtes prêts ? Ouais. Oui, tout le monde est prêt. Donc, pour répondre, vous devez vous concerter et appuyer sur les buzzers qui se trouvent en face de vous. On regarde pas mes questions. Hé, la triche ! Alors, est-ce que vous... Allez, catégorie adulte, c'est facile. Dans quelle région française peut-on encore trouver quelques ours sauvages ? La Savoie. La Savoie. Non. On les donne. Pyrénées. Les Pyrénées. Je ne donne pas le point parce que l'animatrice de Saint-Michel a donné la réponse et je l'ai entendu jusqu'ici. Bravo. Donc le point n'est pas donné. Ouais, bah là ça va, on voit des ours blancs là-bas. Ouais, mais c'est dans les Pyrénées. Ouais, pas grave. Alors, nouvelle question. Change le préfixe pour trouver le contraire de bienfaisant. Malfaisant. C'est une bonne réponse. Ah ouais. Premier. Ah bah c'est du CM2. Hein. Ah, c'est du CM2. Ah, trop. Alors. Avec un français, attention, mais... catégorie adulte. Combien de litres d'eau contient une piscine de 225 mètres cubes? 225 litres. Non, c'est plus. Vas-y. 300 litres. Non, beaucoup plus. J'ai dit 225 mètres cubes. 450 litres. Non, beaucoup plus. Beaucoup plus. Oh, 750. Beaucoup plus. Je répète la question. Combien de litres d'eau contient une piscine de 225 mètres cubes? 200. Faut buzzer avant de répondre. Oui. 220 000 litres. 2260. Beaucoup plus. 200. J'ai pas. Faut buzzer. 220 millions de litres. Ça fait un peu beaucoup là. Ça ferait beaucoup plus. Combien On a la Lali a la réponse en régie, mais elle ne la soufflera pas. Faites bien la conversion. Je répète pour une dernière fois la question. Combien de litres d'eau contient une piscine de 225 mètres cubes ? 225 000. Voilà ! Conversion mathématique. Ça, c'est bon ! Ça, c'est bon ! Ça, c'est bon ! Ça a triché Martin. Non. Allez, Vim. Non, non, il n'y a eu aucune triche. Oui, oui, il n'y a eu aucune. Valentin, sois pas mauvais joueur. Pourquoi je suis nul en maths ? On ne triche pas, hein ! La réponse au hasard, alors je suis nul en maths. Ouais. C'est clair. Comme par hasard. Que mesure un pluviomètre ? Un quoi ? Vas-y. La pluie. C'est une bonne réponse. Yes ! Je vais te Alors, il y a 3 à 0. Les filles, il va falloir vous ressaisir. On vous éclate. Saint-Michel, il va falloir se ressaisir. Quelle est la capitale de la Corée du Sud ?
Séoul. C'est quoi? Alors là, je m'attendais pas à une réponse aussi rapide. J'étais pas prêt. J'ai trop pensé à la capitale. Moi aussi. Hop, on va prendre de côté rouge. On est en train d'essayer. Eh, la force du lion, hein. Eh, la force du lion. Alors, catégorie CM2. De quelle couleur est l'indigo? C'est quoi? Hein? Oui. Non. Bleu. Oui. Oh, c'est quoi ça? C'est quoi? L'indigo, c'est en fait... C'est quoi, du coup? Alors, du coup, l'indigo, c'est un type de bleu. Il y a plusieurs types de bleu. Il y a bleu ciel, bleu vert, bleu océan... Ah, moi, je croyais que c'était un objet, genre. Non, de quelle couleur, j'ai dit? Ah, ouais. Vas-y, envoie. Alors, catégorie adulte. Oh, c'est bon, ça. Que fait une pieuvre quand elle a peur? Elle lance son encre. Son encre dans elle crache son encre. Elle crache son encre comme une autre couleur. Oui, c'est, j'ai compris la réponse et c'est une bonne réponse. Le seul. Alors, on a 2 à 4. Une petite remontée du côté de Saint-Michel. On va dire ça, ouais. Allez, on encourage, s'il vous plaît, le public. Ouais. Et c'est la région aussi. Faire. Alors, question. Attention, question de catégorie adulte. Ok. À New York, le premier ascenseur a-t-il été installé en 1907, 1957 ou 1877? 1957. Alors, je me suis trompé, c'est pas 1900. C'est une erreur totale de ma part. Je répète la question. Oui, du coup, on va faire la catégorie CN2. Oh. Comment appelle-t-on une voiture munie d'une capote mobile? Une décapotable. Mais ce soir, c'est mon truc. C'est une bonne réponse. On a 5 points du côté de Conche contre 2 du côté de Saint-Michel. Attention. Dernière question qui peut être décisive. Donc les filles, il va falloir y répondre très vite. Quelle maîtresse de Louis XV a été guillotinée à la Révolution? C'est bon déjà. En plus, je sais plus. C'est qui? Attends, répète la question. Comment c'est? Quelle maîtresse de Louis XV a été guillotinée à la Révolution? C'est un roi, mais je connais pas lui. Attends, mais il s'est fait tuer. Je sais pas. Marie-Antoinette? Non. Je l'ai pas. Est-ce que vous l'avez ou on passe à la catégorie inférieure? Non, je l'ai pas. On passe à la catégorie inférieure. Marie-Antoinette, du coup? Non. Non, c'est pas ça. Sa maîtresse, c'était sa femme. Oui. Voilà. Alors, du coup, je donne la réponse, mais on va passer attends, à la catégorie. Une maîtresse, non. On passe à la question. On va redescendre à la catégorie inférieure. La réponse était la comtesse du Barry. C'est qui elle? J'ai oublié. Alors là, par contre, là, je sens que là, il va y avoir. C'est sûrement la question qui va être décisive. Et là, il va falloir vraiment être le plus vite. Florentin, regarde bien les caméras pour me dire qui buzz en premier. Lali, faut bien regarder qui buzz en premier. Retirez vos mains des buzzers, comme ça, il n'y aura pas de triche. Mais les mains dans le dos, Conche. Vous avez une difficulté en plus. Ah, sérieux? Quel est le continent le plus peuplé? Asie. Ouais. Non. Mais non, c'est l'Asie de l'Est. C'est l'Asie. L'Asie tout court. Hein. C'est écrit dans les questions, c'est écrit l'Asie. Voilà. On a 3 à 5. Non. Si, 3 à 5. Non, on a 4. Non, vous avez 5. C'est combien? 6. Okay. Il reste 3 gobelets. Ok. Hey, je suis collé là, je peux plus bouger. Alors, il va falloir. Question d'orthographe. Oh. Ah yes! Comment écrit-on 1000 dans 6000? 1000 dans 6000. Ouais. Comment on l'écrit? Comment on l'écrit? Ah, 1000. Moi j'ai 1000. C'est
trop tard. F-I-L-L-E-S. Non. Et non, il y a pas de S. Mais oui, mais je te l'ai dit. Variable. Bah oui. Oui. Mais il y aurait 2002. Du coup, il y a pas. Ah bon, allez, allez, allez. 6-4. Hein. Allez. Combien font question mathématique? Oh, il va falloir réfléchir. Oh non. C'est pas, en plus, c'est pas une multiplication compliquée. Oh. Oh. Combien font 20 fois 600? 20 fois 600. 1200. Non. Ah. Vas-y, au revoir. Mais je sais pas. Non, c'est à eux. 600 fois 20. 100 000. Non. 20 fois 600. 120 000. Mais non. Non. Mais non, c'est 1000. Oui. Quoi? C'est quoi? Elle l'a dit, tu l'as dit là. 600. Non. Question. Non. Attends. 10 000. 10 000. Non. Oui. Alors là, je tiens. Ah là, les gobelets qui sont tombés. Ouais. Non. Alors les filles, vous vous souvenez, vous avez 4 gobelets. 5-4. Il reste 2 gobelets. Là, si les filles de Saint-Michel marquent un point, on égalise à 5-5. Merci. Si les filles de Saint-Michel mettent un point, elles égalisent. Ce sera alors la question de la mort qui tue. Ce sera le gobelet d'or. Alors, on va la ranger. Alors, question. Attention. Au curling. C'est où le curling? C'est quoi? Le curling, c'est un jeu qui se joue sur de la glace. Ah, ok. Quel instrument utilise-t-on pour accélérer la vitesse du palais sur la glace? Patence! Non! Ah, un, une. Seb! Un balai! Ah, une. C'est un balai! Et c'est l'équipe de Kong qui remporte cette manche! Mais bien joué les filles quand même, vous avez bien joué! On les a éclatées! On peut les applaudir! Web TV Show! Web TV Show! Web TV Show! TV Show! Web TV Show!